Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Comme annoncé il y a quelques jours sur ces plateaux, j'avais dit que nous reviendrons sur les conclusions de la mission gouvernementale qui a été déléguée par le président de la République à Goma à la suite des tristes événements que nous avons tous suivis le 30 août dernier. Il vous souviendra qu'au Conseil des ministres du 1er septembre, qui était essentiellement marqué autour de l'analyse de la question, le président de la République avait chargé une délégation interministérielle à se rendre sur place. Ces délégations étaient conduites par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, maître Peter Kazadi à ma droite, et comprenaient en son sein le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le ministre des Droits humains, le vice-ministre de la Justice. Et la délégation a été complétée par l'auditeur général de Forces armées de la République démocratique du Congo, parce qu'il était entre autres question de situer la responsabilité des militaires dans ce qui s'est passé et d'en tirer les conséquences. Depuis samedi soir que la délégation est sur place, vous avez été quotidiennement informé des activités qu'ils ont tenues dès leur arrivée, le lendemain avec la descente sur le site où il y a eu les événements, mais aussi toutes les décisions qui en sont ressorties, notamment le rappel du gouverneur militaire Ndima à Kinshasa, qui est revenu d'ailleurs dans le même avion que le vice-premier ministre ici à ma droite. Et donc, et surtout que la première activité, je dois le mentionner, consistait pour la délégation gouvernementale de discuter avec les familles pour voir dans quelle mesure identifier les personnes qui ont été touchées et voir comment le gouvernement allait intervenir pour exprimer la compassion, parce que c'est un événement qui nous a tous attristés et pour lequel le gouvernement tenait à exprimer sa solidarité. Et c'est même pour ça que le gouvernement s'est engagé, notamment à accompagner les familles dans l'organisation des obsèques. Voilà un peu, s'il faut remettre les questions en perspective, il y en avait de plusieurs dimensions. Et ce soir, conformément à notre tradition de redevabilité, le vice-premier ministre s'est mis à notre disposition pour nous faire le point de ce qui peut être dit sur cette mission gouvernementale, parce que vous le savez qu'il y a un procès en flagrance qui a commencé hier, et donc nous ne pourrons pas anticiper sur la conclusion de ce qui est pendant devant les juridictions, mais les informations sur le contexte et sur l'action ou l'intervention du gouvernement, nous avons pensé que c'était crucial que nous puissions avoir cette séance des restitutions pour permettre à tous les Congolais qui ont suivi ces sujets d'être édifiés. Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie pour votre disponibilité à nouveau ce soir, cette fois-ci pour nous faire la restitution de ces événements qui nous ont tous troublés. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes parti immédiatement après votre présentation devant la police qui dépend qui se situe dans votre domaine de compétences. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en guise d'introduction au terme de la mission que vous avez conduite dans la ville du Nord Kivu, dans la ville de Goma en province du Nord Kivu? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Je remercie aussi les amis de la presse qui ont répondu à votre invitation. C'est à travers eux que nous rendons compte à la nation pour laquelle nous sommes au service. Comme vous le savez, c'est depuis le 1er septembre que nous nous sommes rendus sur décision du président de la République à Goma dans le but de nous enquérir des faits qui s'était produit le 30 août à Goma. Notre délégation était composée de moi-même, du vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant. Il y avait également les ministres des droits humains ainsi que le vice-ministre à la justice. Une fois arrivé dans la soirée du samedi 1er septembre, nous nous sommes mis à élaborer notre calendrier de travail, ce qui nous a pris pratiquement toute la nuit puisque nous sommes arrivés le soir. Et les dimanches matin, nous avons commencé à recevoir les responsables militaires, disons tous les responsables sécuritaires sur la ville de Kinshasa. Sur la ville de Goma. De Goma.
sur la ville de Goma. Parmi ceux que nous avons reçus, ils étaient nombreux. Vous me permettrez d'énumérer quelques-uns pour montrer l'importance de ce que nous avons fait. Nous avons commencé par les gouverneurs militaires. Ensuite, c'était les commandants de la 34e zone de défense et toute son équipe, tout son staff, ses adjoints. Nous avons consulté les vice-gouverneurs, les commandants de la police, ainsi que certains membres de son équipe. Nous avons consulté l'ANR et la DGM. Nous avons aussi consulté les membres de la société civile, commençant par l'évêque de Goma, qui était venu nous voir, différentes délégations des caucus intercommunautaires, jusqu'au mouvement des jeunes, les mouvements citoyens. Donc, bref, nous avons consulté toutes les couches sociales de la province du Nord Kivu, qui s'est trouvée à Goma. À l'issue de ces entretiens, nous avons essayé de comprendre les problèmes tels qu'ils s'étaient posés. C'est ce qui avait conduit, très tard dans la nuit, à la mise en accusation de certains responsables militaires. Il s'agit du commandant de l'unité de la garde républicaine, ainsi qu'un commandant du régiment que nous avions par la suite déféré devant l'auditorat supérieur de la ville de Goma, disons de la province du Nord Kivu. Voilà la première étape. Et le deuxième jour, nous avons continué à conférer avec les différentes délégations. Là, nous avons été amenés à prendre des mesures dont certaines, vous venez de les rappeler ici. C'était les rappels du gouverneur militaire à Kinshasa pour consultation. Il y a eu la suspension des policiers qui étaient chargés de la sécurité de la ville de Goma ces jours-là. Mais aussi, nous avions ordonné, ensemble avec l'auditorat supérieur, la libération de quelques militants de mouvements citoyens. Nous avions décidé de la prise en charge des obsèques de toutes les victimes. Et voilà, grosso modo, les mesures que nous avions prises sur place à Goma. Mais je dois ici rappeler que nous avions reçu mandat, non seulement d'écouter, de pénétrer les événements tels qu'ils s'étaient produits, mais également de prendre des décisions comme je viens d'annoncer. Mais nous avons aussi des rapports à faire au gouvernement. La primaire est réservée au chef de l'État, au chef du gouvernement, ainsi qu'au Conseil des ministres pour d'autres mesures qui vont encore suivre. Voilà, Excellence, Monsieur le ministre. En bref, les rapports de ce qui s'est passé à Goma. Merci beaucoup, Monsieur le vice-premier ministre, pour ces rapports, et d'ailleurs, qui arrivent bien avant que vous puissiez le faire en Conseil des ministres, c'est dire toute l'importance que le gouvernement accorde à cette question et la nécessité pour que justice puisse être faite et pour que les familles qui ont été touchées puissent être en mesure de faire leur deuil. On va commencer la série des questions avec Félix Matuidi. Merci beaucoup pour la parole. J'ai deux questions. La première concerne le patron de la territoriale. L'opinion voudrait savoir comment expliquer, dans une province comme le Nord Kivu, placée en état de siège, les services de renseignement n'arrivent pas à déjouer certains plans de certains mouvements, par exemple le cas de l'Église, qui a été assimilé à un groupe armé. Est-ce que ce ne sont pas là des failles qui peuvent être aussi relevées pour que le système soit amélioré? L'autre question concerne
les ministres de la Communication. Je voudrais avoir votre réaction. Le mandat de la force régionale de l'EAC a été prorogé de 3 mois. Quelle est la réaction officielle ou encore la position de Kinshasa par rapport à cette prorogation du mandat de la force régionale de l'EAC? Voilà, merci. Le vice-premier ministre va y répondre. Mais je crois que si vous avez suivi les mesures qui ont été annoncées, on a parlé du rappel à Kinshasa, je pense, du commandant chargé du renseignement de la police nationale, et qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses ou des plans qui sont déjoués et qui ne se produisent pas, parce que c'est un travail qui s'est fait au quotidien au niveau des renseignements. Peut-être que le vice-premier ministre qui était sur place peut vous donner plus de détails sur le sujet. Oui, je pense que le ministre de la Communication a répondu pratiquement à votre question. Si nous avons eu la décision, nous avons pris la décision de suspendre les PD et les P3, ceux qui connaissent les abréviations comprennent tout de suite qu'il s'agit des responsables de la sécurité. C'est dans ce sens-là que nous avons pris la mesure de les suspendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les services peuvent être au courant d'un cas. On peut informer aujourd'hui, on ne réagit pas aussitôt. Ces mouvements-là, cette secte, s'est déjà produite par 2 fois. Et il était question qu'on comprenne de quoi il s'agissait effectivement. C'est lorsqu'on a compris à quoi jouait cette secte, d'abord, son animateur est venu du sud Kivu. Il n'est pas originaire du nord Kivu. Il a fui le sud Kivu où il avait des mêlées judiciaires, toujours dans son domaine spirituel. Il est allé à Goma s'installer. Il a commencé à recruter surtout des jeunes qu'il a endoctrinés à sa philosophie, tant à dire que Dieu veut qu'on instaure un royaume en République démocratique du Congo, lequel royaume va s'étendre jusque dans l'ensemble de l'Afrique, et que cela devait partir des Goma, justement là où sont implantés les bureaux de la MONUSCO, et qu'il fallait ériger un monument de Lumumba à cet endroit-là, et que tout devait partir par là. Alors, lorsque les services ont cherché à comprendre, vous voyez, ils s'attaquent à des institutions internationales dans lesquelles notre pays est membre. Et ces institutions-là ne sont pas venues pour nous faire la guerre. Elles sont venues justement pour essayer de nous accompagner dans les difficultés que nous avons. Donc vous comprenez qu'on veut entraîner la population dans un combat contre la communauté internationale. Et ce qui s'est passé de particulier les 30, bien avant les 30, lorsque ces mouvements annoncent sa marche du 30, l'armée rwandaise se déploie tout au long de notre frontière avec le Rwanda. Les forces spéciales rwandaises sont déployées sur la grande et petite barrière à Goma. Ce qui a davantage motivé nos services à monter les niveaux de vigilance. Alors, comment est-ce que cette unité qui était en contact avec la population et qui a occasionné les incidents que nous déplorons, est arrivé là-bas. C'était justement pour prévenir contre les mouvements que nous avons observés du côté rwandais. Nous avons aussi sorti nos unités de lutte pour non pas s'attaquer à la population civile, mais pour justement faire une marche de dissuasion et lancer à l'attention de l'alerte, à l'attention face aux velléités
des Rwandais, leur dire que nous sommes prêts au cas où vous oserez traverser les frontières. Malheureusement, pendant qu'ils marchaient, un policier a été kidnappé par les membres de la dite secte et alertés, ils ont pensé aller récupérer les policiers qui étaient entre les mains de la secte. C'est là, une fois arrivé, on a trouvé, il y a des images qui existent, si vous n'en avez pas, je peux mettre à votre disposition. Ils ont trouvé des gens armés en armes blanches, des bâtons, des lance-pierres, et une discussion vive s'est engagée pendant qu'il y avait des négociations, puisque l'armée est allée d'abord négocier. Et pendant les négociations, on a tenté d'arracher l'arme à un militaire qui n'a pas su se maîtriser, qui s'est mis à tirer. Donc voilà comment les faits se sont déroulés. Il y a eu des failles sécuritaires, effectivement. C'est ce qui justifie la suspension de certains responsables, notamment policiers. Voilà. Merci, monsieur le vice-premier ministre, pour ces précisions. Il faut rappeler que c'est de la responsabilité du gouvernement d'assurer la sécurité des casques bleus et de toutes les installations de la MONUSCO. Je ne me permets pas de vous rappeler les événements que nous avons connus l'année dernière et les conséquences éventuelles qu'il y a eu. Et donc, il y avait nécessité d'avoir un dispositif sécuritaire pour prévenir. Mais hélas, il y a eu ce qui s'est passé et pour les raisons pour lesquelles le vice-premier ministre les a si bien expliquées. Alors, à votre deuxième question sur...